Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui unboxing du mercredi. Voilà, l'unboxing du mercredi avec la boutique On Day Saving. Donc c'est un spécial broderie aujourd'hui et spécial minou. Voilà. Alors déjà pour commencer, la boutique On Day Saving vous offre un code promo pour votre prochaine commande si vous souhaitez commander chez eux. 5% de réduction sur votre commande avec le code promo DIDIT05OFF en majuscule OFF. Je vous le remarque ici à l'écran et je vous remarque tout bien sûr comme d'habitude en barre d'infos avec le code promo, le lien de la boutique, les liens des articles que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, on a un pseudo Joy Sunday, voilà, puisque ce ne sont plus les vrais Joy Sunday, et deux DIY cross-stitch, voilà. Alors, je ne les ai pas encore vus, donc je pense que c'est des nouveaux. Là, il y en a deux. C'est deux de la même série, je ne sais pas s'il y en a d'autres ou s'il va y en avoir d'autres dans la même série, mais là il y en a deux, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben, le Joy Sunday, vous savez, c'est du 14 CT, et les DIY cross stitch, ce sera du 11 CT en ça voulait pas sortir en 40-50 cm en toile complète, bien sûr. Donc, au déballage, on va regarder la taille exacte du dessin. Et pour le Joy Sunday, c'est un petit 29 sur 21 cm. Donc, c'est pareil, je pense que c'est en toile complète. On va se mettre face bureau pour mieux voir ce que je vais vous présenter. Allez, je vous déménage. À tout de suite. Nous voici avec le premier kit, donc c'est le Joy Sunday. Comme je vous ai expliqué la dernière fois, ce ne sont plus les vrais Joy Sunday. C'est une société qui a racheté la société Joy Sunday, mais elle ne met pas son nom. Voilà, sinon tout est pareil comme avant, il n'y a pas de souci. Ça fait déjà quand même quelques temps que nous n'avons plus les vrais Joy Sunday. Comme vous pouvez voir, c'est des petits minous, voilà. Alors, je vous les montre de plus près. Ils font de la couture, ces petits minous, voyez. Oh, je pense que vous connaissez déjà, hein, on l'a déjà vu quelques fois. Je l'ai aussi parce qu'il existe aussi le grand modèle avec plein de chats, ça fait comme une pyramide, il y a une machine à coudre, il y a tout ça, ça fait un moment que je vous l'avais présenté l'année dernière, mais là bon c'est le petit modèle, voilà. Alors avec trois petits minous, donc c'est du 14 CT, on va utiliser deux fils comme d'habitude et la toile fait 29 sur 21. Le patron, alors bon, avec il n'y a jamais de souci hein, avec ces patrons là, là c'est en papier glacé, vous voyez un peu que ça brille. En tout on aura 24 couleurs. Alors ça, ce sont les symboles que vous retrouvez sur le patron papier, pas sur le patron toile. Donc on a des chiffres, des lettres majuscules, voilà. Dans les couleurs connues, on va avoir le 5200, le vrai blanc. On n'a pas le 939, mais on a le 310, voilà. Donc je vous montre l'impression, hein. On n'a pas de souci quand c'est le... Alors, il y a du point arrière, vous voyez. On va avoir trois couleurs en point arrière. Et on a la suite du patron derrière. Voilà. Ensuite, on a les fils. Un petit coup de peigne avec les doigts.
Alors, les fils, je vous montre les couleurs que l'on a. Oui, des belles couleurs, du fil bien brillant. Bon, il y a un petit peu, il va y avoir du blanc à faire. Et de l'autre côté, des belles couleurs hein, quand même. Ce vert-là, il est joli. Les violets aussi hein, sont très beaux. On a des jaunes. Un rouille ici. Et bien sûr, on a nos deux aiguilles comme d'habitude. La toile. Donc, comme je vous ai dit, vous voyez, elle est petite. Alors, je vous dézoome. La toile est petite. Alors, le dessin en lui-même, il fait 22 cm sur 17 cm. C'est un partiel, le fond ne va pas se broder. Vous voyez? Dans le fond, on va avoir. Là, ils sont. Alors, je vais vous agrandir pour voir. Vous voyez? On voit les. Bon, là, vous ne voyez pas beaucoup. Aussi, un petit peu. Le point arrière est imprimé. On va avoir du point arrière oh, ici aussi, dans les aiguilles. Sur la. Le petit coussin aiguille. Hein. Et bien sûr, par contre, le point arrière au milieu, autour des chats. Alors. Il est imprimé. Alors, je vous montre. Voyez comme là, les moustaches. Ici, on voit que c'est imprimé. Mais comme vous allez faire vos croix en premier, vous ne le verrez plus, le point arrière. Donc, il faudra vous baser avec le patron papier. Voyez, là aussi, on le voit. Mais comme il y aura vos croix, vous allez avoir du mal à le distinguer. Sinon, niveau impression. Alors, est-ce que ça va? Niveau impression. Un léger décalage, vous voyez, mais vraiment léger. Ça ne. Le dessin est vraiment bien en bas là. Mais c'est vraiment très léger. On le voit mieux ici. Vous voyez. On a un léger décalage. Mais bon, sinon, ça va. Vous voyez les points arrière pour le cœur. C'est très bien. Alors là, par contre, on a ici en bas. Alors, je vais essayer que ça floute pas. Arrête de flouter. Suis désolée, ça. Voilà. Voilà les symboles. Ça va, rien de très compliqué, hein, de c'est lisible. Et ici, bien sûr, ce sont les points arrière. Voilà. Oh, attendez. Voilà, excusez-moi. Je ne sais pas si c'est moi qui ai vu un écran noir ou si vous l'avez vu. Donc c'est une petite broderie très sympathique qui va aller vite à faire, qui sera toute mignonne. Voilà. Cette petite broderie, elle est au prix de 4 dollars et 13 centimes. Voilà. Deuxième broderie. Alors ici, ce sera une DIY cross-stitch. Avec un petit minou, voilà, dans une petite bottine, tout mignon. On va avoir notre patron papier, mais je crois qu'on va pas trop. Bon, il est un petit peu plus grand que d'habitude, mais voilà, hein. Bon, il est lisible quand même, hein. Vous voyez?
Il est quand même bien lisible, donc ça va. Là, on va avoir 25 couleurs. Donc, on a les numéros qu'il y a sur la plaquette, les symboles qu'il y a sur le patron papier et sur la toile, les références DMC et les couleurs approximatives de très loin que l'on va retrouver, que l'on va broder, pardon. Alors, dans les couleurs, on n'a pas de 310, pas de 939 et pas de blanc. Voilà, rien de... Les couleurs, les voici. Alors, ah, là, ils n'ont pas fait le nœud, mais bon, c'est pas très grave. Les jolis marrons, beige, rouille, marron glacé. Regardez. Ils sont très très beaux, très brillants. C'est pour ça que je dis, même DIY cross stitch, bon, des fois on critique, mais on critique le patron, c'est tout. Le reste est toujours nickel. Hein. Alors attendez, j'ai un nœud qui s'est... Voilà. Le reste est toujours nickel. On a une bonne qualité de fil. Oh, il est beau celui-là. On a une bonne qualité de fil, bien brillante, bien douce. Les fils sont doux. Voilà. Hop. On va avoir sur notre toile derrière les deux aiguilles hein, pour broder. Donc c'est du 11 CT. Voilà. Là, on devine bien la bottine. Le petit chat est là. Qu'est-ce que je peux... Je suis en train de regarder. Il n'y a pas de confetti. Non. Il n'y a pas de confetti, donc c'est une broderie qui va aller très bien à faire. Voilà, on va regarder l'impression. Alors, je vais vous zoomer, on verra mieux. Non, ça va, c'est très bien. Bon, là, c'est du bloc. Vous voyez, il n'y a pas du vrai, vrai confetti. Hein. Ça va avoir un petit peu là dans les fleurs. Mais ça va. Il n'y a pas beaucoup de points isolés. Là, la bottine. Non, ça va très bien. Et là, bien sûr, on retrouve donc la légende. Comme sur le papier. On retrouve aussi le petit dessin là, mais bon, je vous remets les photos comme d'habitude. Vous avez la référence de la broderie, donc c'est un 40-50, 129 points sur 173 points. Si je n'oublie pas, je vous mets le nombre de croix à broder et la toile en elle-même fait 39,5. Enfin, le dessin, pas la toile. 39,5 sur 30. Voilà. Donc, une jolie toile, bien sympathique. Alors, elle est au prix de 8,22 $. Troisième et dernière toile. Donc, toujours DIY cross stitch. Et toujours sur le même thème que la précédente. Donc, le petit chat, alors là, il est dans une petite botte de jardin. Tout mignonne, tout mignon. Avec la petite tasse de café ou de thé et le bouquet de fleurs ici derrière. Bon, on a le patron papier, hein, mais voilà. Mais ça va encore. Hein, il est lisible quand même. Donc ça va.
Ça, ce sont les nouvelles versions. Niveau symbole. Alors, si ça arrête de flouter, voilà. Ça va. Pas trop de soucis. 25 couleurs. Pas de 5200, pas de 939 et pas de 310. Oh, les jolies couleurs. De belles couleurs pour ce cette petite botte avec ce petit minou. Mets-moi ça, c'est violet, c'est rouge. C'est gris. Là, ce sont un beige et un vert. Du rose, pour celles qui aiment le rose, puisqu'on a la botte en rose. Et ici, voilà, joli ce vert, ce rouge-là aussi. Enfin, c'est un rose, c'est plus un rose. Et, comme d'habitude, on a nos deux aiguilles derrière. Et voilà notre... Alors, j'ai oublié de dire, ces broderies ne sont pas surfilées sur les côtés. Bon, là, moi, en bas, je gagne une bordure, malgré qu'elle est effilochée, mais là, c'est le galon, hein, c'est la fin du rouleau. Et là, il faudra surfiler un peu. Alors, on a du bloc. Voilà. Surtout, bon, le fond, on a un grand fond qui fait bloc. Dans la botte, pareil. C'est un tout petit peu plus changement de couleur dans le bouquet de fleurs. Mais ça va. Ici, on voit bien le petit chat avec ses petites oreilles, ses petits yeux. Donc, la bottine, hein. La petite botte. Et niveau impression, ben, de toute façon, il n'y a pas de souci. C'est comme d'habitude. Là. Vous voyez, dans le bouquet de fleurs, bon, il y a du changement de couleur, mais rien de catastrophique. Voilà, dans la botte. Ça va. Alors, celle-ci est au même prix. Elle est à 8,22 $. Je vous ai présenté aujourd'hui le petit chat avec la petite botte rose, le petit chat dans sa petite bottine marron et nos petits chats qui font de la couture. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit unboxing vous aura plu, qu'il y a des modèles qui vous plaisent. Peut-être que vous les avez déjà faits. N'hésitez pas à me le dire. Dans ce cas-là, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous dit de choisir ces kits? Pourquoi pas? Est-ce que vous aimeriez les faire? Voilà, dites-moi tout. Moi, en attendant, je remercie beaucoup la boutique On Day Saving donc pour leur gentillesse, la communication qu'on a ensemble et également leur générosité. Et je les remercie aussi pour le code promo qu'ils vous offrent. Je vous rappelle, c'est moins 5% sur votre commande avec le code promo DIDIT05OFF. Je vous remets en barre d'infos tous les liens utiles et nécessaires, la boutique, les liens des articles que je vous ai présentés et également, très important, je vous remets le code promo. Voilà. Allez, je vous fais à tous de gros bisous et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.